Spécialement au pays pagan, sur les communes de Kerloan, Brignogan. La côte est magnifique, mais ce n'est pas du tout un pays de pire d'épave. Dans la presse raconte n'importe quoi. La côte magnifique, découpée avec de très beaux rochers que les Bretons aiment mettre en valeur. Si bien qu'à la nuit venue, ils allument des feux sur la grève et les Irlandais, par la flamme alléchée, s'approchent avec leur navire et s'échouent, en mauvais marins qu'ils sont. Les Bretons, peuple efficace, durant la nuit, nettoient tout de A à Z. Et de toute façon, les marins irlandais sont morts. Il n'y a pas de mal à ça. Et les Bretons sont un peuple efficace. Ensuite, pour vendre du papier, on raconte. C'est vrai, on dit n'importe quoi. Oui, oui, oui. Mais par contre, effectivement, les Bretons sont des gens très propres. Ça, vous en a remarqué. Hein, la preuve, c'est qu'ils nettoient tout. Même le ciel. 2 fois par jour. Ah, oui, et même la mer et la plage, 2 fois par jour. Ils prennent la serpillière, ils la passent. Il les sort, il la repasse et il la ressort. Remarquez, c'est pas évident pour tout le monde. Une fois, je suis arrivé là-bas en Bretagne avec une amie dont la fille venait de passer le baccalauréat, messieurs dames. Elle arrive dans un port et elle dit : mais ils sont cons, les Bretons. Ils mettent des bateaux dans des ports où il n'y a pas d'eau. Et oui, c'est la jeunesse de France. Et c'est pas un endroit où il y a un microclimat par là-bas. Mais évidemment, partout en Bretagne, chaque commune a son microclimat. Ouais, trop d'ailleurs, bon. L'eau peut y atteindre dans les bonnes années. Ah bah, à 14h. En plein juillet. Sous le soleil. La température de 16 degrés, messieurs dames. Mais Michel a trouvé la solution. Ah oui. Oui. Les forts en maths ici. Oui. Aussi. Mais oui. Bah, oui. Non, mais. On va voir ça en maths. 2 fois 16. On peut plus parler à tout le monde. Hier, on travaillait 2 fois ce soir, c'est tout long. Bien, 32, moi j'y vais 2 fois par jour.
32 degrés. Comme sur les tropiques, d'ailleurs, cette sonorité tropique, c'est bien une sonorité bretonne, n'est-ce pas? On vient de l'inventer. Absolument. Bien, et bien, maintenant que nous sommes en Bretagne, justement, je pense qu'on pourrait chanter la vie des marins. Allez, complètement. Allez, c'est parti. Jeunes gens, vues arboériennes. Vues arboériennes, la vie des marins. Pas drôle tous les jours en Bretagne. Quand on avait le fol, le vent fou, à mort ou les nous. Enfin, avec une femme à chaque port, à la rigueur. C'est quand même mieux qu'un port à chaque femme. Hein. Sauf si le port est élevé sous la mer. C'est encore du théâtre d'amour de son. Tu es arborérienne, azot triste vêtement, pépère pelleuse aux yeux, dindang la gardéo, et vite pour ni para nos bugalés, et dio des eaux. A baler, qu'en avouer la voix, à cette mine verra, de quête en heure et vite, la carotte car on voit, la carte est en la well, oh oh, où les nous péflous. Pharaon vraiment la bague, Pharaon pénécorno. Exceptionnel. Alors, le Saint-Patrick, c'est passé. Mais enfin, quand même, on peut faire un petit remake. Non, on est entre Saint-Patrick et Saint-Yves. Complètement. Voilà, donc, et bien ce soir, exceptionnellement, on a le look.